Vous allez bien? Très bien. Vous allez bien? Bonjour. Ça va et vous? Bonjour. On peut le voir, il peut y avoir des éclairs dehors, mais il y a de l'espoir devant. On est une petite association. Nous ne sommes pas bien nombreux, mais nous avons la volonté de serrer la main, mais de serrer très très fort, affectueusement, les jeunes qui veulent réussir. Et tout ce que je dis là vient sincèrement du fond du cœur. Parce que il y a beaucoup trop de mauvaises nouvelles dehors vis-à-vis des jeunes. Des jeunes qui tuent, des jeunes qui volent. Et ce ne sont pas ces nouvelles que nous voulons regarder. Les nouvelles qui nous intéressent, ce sont les jeunes qui veulent réussir. Et qui ont envie d'aller de l'avant, malgré les difficultés. Et elles sont nombreuses. Elles sont très nombreuses. Nous sommes dans une période assez tourmentée, assez difficile pour tout le monde, pour vos parents, qui sont là, et qui sont là pour vous dire combien ils sont fiers de savoir que vous avez traversé cette première étape, qui est celle du baccalauréat. Le baccalauréat n'est pas tout, mais le baccalauréat, c'est important. C'est important pour le futur. Et le chemin est long. Le chemin est long. Mais le chemin que vous avez parcouru jusqu'à vos 17-18 ans a été long aussi, et vous avez montré la capacité à réagir devant la difficulté, à toujours être debout, à vous relever quand tout va mal. Parce que c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'il n'y a pas de rose sans épine. La vraie vie, c'est qu'il y a des souffrances. La vraie vie, c'est que les choses sont difficiles. Mais la vraie vie, celle de l'homme, ou celle de la femme, vous m'excuserez, mais l'homme, comme dirait l'humoriste ici, est un terme qui embrasse aussi la femme. La vraie vie, celle de demain, c'est que vous avez tout en vous et vous le démontrez pour traverser ces difficultés. Alors, depuis que nous avons mis en place ces trophées, c'est un bien grand mot, vous en conviendrez, mais c'est un moment de partage entre vous et nous pour vous montrer à quel point nous vous aimons, à quel point nous sommes heureux de savoir que vous avez traversé cette épreuve. Et vraiment, quand je vous dis que nous vous aimons, c'est sincère. Et vous êtes aujourd'hui 6, mais je sais qu'à un moment donné, il fallait choisir. Nous vous avons choisi parmi d'autres. Il faut comprendre que ce choix est un choix qui vient du cœur, mais c'est un choix aussi qui est guidé par vos résultats. Alors chaque année, nous voulons reconnaître ceux qui ont à cœur de réussir. C'est cela qui est important. C'est important pour nous, c'est important pour vos parents, et c'est important aussi pour Madame le maire, que je remercie à chaque fois de nous tendre la main, et malgré ce temps de pluie, de prendre son temps précieux pour venir vous dire à quel point aussi elle aime ceux qui veulent réussir. Je ne veux pas être plus long, Madame le maire, mais vraiment, sincèrement, vous le savez, je vous remercie de tous les efforts que vous faites. Et vous voyez, ces jeunes-là, ils ont le regard bien ouvert, les yeux bien ouverts, la tête bien faite, et ils ont envie d'aller de l'avant. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et vous dire ma joie et celle de Gérard, qui est mon adjoint, d'être ici aujourd'hui. Saluer tous nos amis ici présents. Vous avez parlé de joie, oui, c'est de la joie et de la fierté. Et c'est vrai que malgré ce temps, mais je considère, ce matin, je célébrais un mariage, voyez-vous, il pleuvait comme ça, et je leur disais, mais finalement, ben, vous avez raison de rien faire comme les autres. Généralement, un mariage, on attend l'été pour se marier, il fait chaud, un gros soleil, etc. Je dis, vous avez raison de l'avoir choisi un jour de pluie.
parce que d'abord les mariages pluvieux sont des mariages heureux et que la pluie c'est l'abondance, c'est l'espoir, c'est l'avenir. Alors c'est comme, moi j'y vois comme un symbole aujourd'hui parce que c'est la deuxième fois que je viens pour la remise et la reconnaissance des efforts faits par vous, notre jeunesse, parce que c'est vous qui allez faire le monde de demain, qui faites le monde de demain, et c'est pour nous tout à fait important. Et je ferai, Monsieur le Président, chaque mot que vous avez prononcé, j'en ferai mien, parce que je partage mille fois tout ce que vous avez dit et que l'on ressent et que l'on vit, nous, tous ensemble. Et qu'aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de participer à des rassemblements de joie, des manifestations, et c'est très, très important et c'est bien. Mais combien j'apprécie de partager un moment où on va honorer une jeunesse qui a réussi l'épreuve. Ce n'est pas qu'une petite épreuve, c'est pas une petite épreuve le bac. C'est la grande porte qui est ouverte vers les études et vers l'avenir. Et ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'aujourd'hui c'est pas facile. Et le président a eu raison de dire qu'aujourd'hui la vie est très difficile. Elle est difficile pour vous, la jeunesse, elle est difficile pour vos parents, elle est difficile pour la population tout entière. On entend beaucoup, beaucoup d'événements, de faits qui n'honorent pas une société comme la nôtre, où on devrait vivre en paix avec la solidarité qui devrait être le maître mot de nous tous et nous entraider et faire avancer vous qui êtes nos enfants et on a besoin de vous pour demain, pour nous-mêmes d'ailleurs, si on pense un petit peu égoïstement, mais surtout pour vous, parce que le seul but que nous ayons, nous parents, eh bien, c'est que nos enfants réussissent. Et déjà quand ils ont passé le bac, enfin, moi je me souviens de moi, il y a quelques années déjà, mais c'était une fierté comme on ne peut pas la définir. Et je pense qu'aujourd'hui, vos parents ici... c'est ce qu'ils ressentent, c'est cette grande fierté. Alors moi je veux vous dire que ce genre d'action que vous menez, où vous accompagnez ces jeunes qui sont plus jeunes et d'autres, j'imagine que vous les suivez au-delà du bac, mais c'est une valeur inestimable pour nous et encore plus dans nos quartiers, parce que c'est un symbole qu'on peut réussir même quand on habite des quartiers qui sont populaires. Un symbole qu'on peut réussir parce qu'on a des parents qui n'ont pas envie de laisser faire. C'est pas parce qu'on est dans un environnement un peu difficile quelquefois ou un petit peu indélicat qu'on ne peut pas réussir comme on peut dans d'autres quartiers de cette ville, de ce département. Et ça multiplie et ça grandit. La reconnaissance, parce que moi je parle de reconnaissance, moi je suis admirative de tous ces élèves, ces jeunes, qui quelquefois dans des conditions pas faciles, de logement, d'habitat, et qui malgré tout font des efforts pour travailler chez soi, même si c'est pas évident, parce que quelquefois on est bien logé, quelquefois on n'est pas bien logé, et on a des parents derrière, puis il y a la volonté aussi des jeunes, il y a votre volonté. Et ces résultats, vous les devez qu'à vous. Donc bravo, moi c'est une fierté pour moi et ça nous honore d'être à ce moment-là de cette petite fête. C'est bien de le fêter, c'est bien de mettre l'accent et je suis persuadée que demain, aujourd'hui elles sont 6 charmantes jeunes filles, je suis persuadée que l'an prochain on va avoir beaucoup de médailles à remettre. Mais ça, c'est un travail que nous devons faire ensemble et qu'on va engager ensemble. Et vous le savez, moi j'ai l'ambition de travailler véritablement dans un des thèmes qui m'est cher, c'est la jeunesse. La jeunesse avec tout ce qu'elle peut comporter, et notamment la formation, les études bien sûr, la formation, la prévention. Parce qu'on a besoin aussi d'agir sur la prévention des jeunes, de nos jeunes. Donc, on met en œuvre avec des gens que vous connaissez bien, avec ces associations, eh bien des réunions, des thématiques
qui sont orientés vers la jeunesse et tout ce que ce terme là on peut englober pour qu'on fasse un très très long chemin ensemble. Et moi, je ne sais pas si je serai là, mais si je suis toujours là, j'aurai tellement à cœur de revenir pour, je ne sais pas, master, maîtrise, non. En tout cas, c'est un défi que moi je vous lance à toutes les six. Absolument. Et vraiment, je vous souhaite un bon, long et un grand succès dans les études que vous allez engager, que vous engagez. C'est vraiment le moment où il faut parler de vous, parler de ceux que nous honorons et que nous reconnaissons. Donc je vais appeler Mademoiselle Cher Ahmed Halima. Bravo. Donc, Ilma et Madame le maire, je suis ému parce que c'est une fille vraiment que je connais bien, qui a vraiment le sens des études. Je me souviens l'avoir amenée au lycée Thiers, elle pleurait parce qu'elle n'avait pas sa section. Et je l'ai accompagnée au lycée Thiers, on a défendu bec et ongle son passage à Thiers parce qu'elle voulait absolument rentrer à Thiers. Absolument. Elle veut faire Sciences Po, c'est le chemin qu'elle a depuis... C'est bien ça? Non, j'ai un peu changé. Je vais entrer à l'école de nationale de magistrature. Oh. Voilà. Magnifique. Très bien. Voilà, Madame le maire, je vous laisse remettre ce... Alors, en plus, c'est le premier prix. Alima? Ilma, pardon. Bon, en plus d'être belle, Ilma. Elle est de ma famille. En plus. Mais j'aurais dû. En plus, là, j'ai dit une bêtise. C'était évident, évidemment. C'était évident. En plus d'être belle, elle est intelligente et c'est. Félicitations. On aura beaucoup de fierté. Moi, je te souhaite tout succès dans la voie que tu as choisie. Ce sera un honneur pour tout le monde, au-delà de ta famille. On te fait tout à fait confiance. Et bon, j'imagine que Thiers, c'est pas facile. Hein. Tu veux dire un mot? Non, c'était pas très facile, mais j'ai appris beaucoup de trucs. J'ai beaucoup aimé mes études à Thiers parce qu'ils m'ont poussé vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes. Et j'ai aimé mes études, j'ai réussi mon bac et maintenant je peux suivre et aller encore plus loin. Mais, bravo! Bravo! Bravo, Ilma, bravo, bravo. Moi, je voudrais juste remettre la médaille d'honneur de la mairie de secteur. Voilà, et j'espère que c'est la première des médailles. On se retrouvera à la fin des études. Félicitations. Et vous, je crois, un bisou quand même. Alors, l'association, pour te... remercier de tout le travail que tu as offert, hein, que tu lui as donné pour ton baccalauréat, va t'offrir un netbook, voilà, comme récompense. Ça. Bien, alors, nous allons appeler le deuxième prix, qui est Mademoiselle Tabibou Jihane, j'espère que c'est bien écrit, hein. Merci. Nous vous reconnaissons aujourd'hui. Je vais laisser Madame le maire vous remettre sur la route. Alors, Jihane, qu'est-ce que tu veux faire d'abord? Quelle est la voie que toi tu as choisie? Là, maintenant, je compte passer mon concours d'infirmière la semaine prochaine et j'espère réussir. C'est très bien. Bravo! De tout cœur, on va t'en accompagner dans ce concours et parce que tu feras une bonne infirmière et que quand on aura besoin de soins, évidemment, on saura qui aller rencontrer, n'est-ce pas? Bravo, félicitations pour la médaille et ton diplôme et encore mille bravo. Mademoiselle. Restez. Je sais que tu es pressée, mais... Excusez-moi. Voilà. Alors l'association
t'offre une tablette tactile avec écran 9 pouces. Voilà. Je suis sûr qu'avec ça, tu vas pouvoir faire plein de choses. Tu vas nous envoyer plein de mails, plein d'images, de photos. Des piqûres virtuelles. Voilà, des petites piqûres virtuelles. Voilà, merci beaucoup. Mademoiselle Youssouf Salim. Il n'est pas là, il est son père. Donc c'est le papa qui vient recevoir. En fait, c'est bien que le papa soit. C'est bien. Voilà, je laisse. Alors, bon, j'imagine que vous êtes très fiers de votre fille. Qu'est-ce qu'elle veut faire, votre fille? Bon, en tout cas, elle veut continuer. Elle va continuer. Ben, en tout cas, c'est avec beaucoup de fierté, moi, que je vous remets pour elle cette médaille et son diplôme, le diplôme qui est là. Voilà. Et vous la féliciterez pour nous, hein, de tout cœur. Et je redonne la parole au président qui a sans doute quelque chose à rajouter. Merci beaucoup. Donc, vous féliciterez votre enfant. Vous lui direz que l'association a beaucoup d'amitié et d'affection pour elle. D'accord. Voilà. Et qu'elle reçoit une tablette 7 pouces. Nous allons appeler quatrième prix, mademoiselle Oumadi Mouzna. C'est joli, non, Mouzna, hein? C'est très joli. Tout comme tu es très joli aussi. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, Mouzna? Actuellement, je suis en fac de médecine, envie de devenir obstétricienne. Ah, bravo! Bravo! Félicitations. Alors, c'est modeste, mais c'est offert du fond du cœur. Et avec tout succès dans les études dans lesquelles tu t'engages, on aura là aussi grande fierté. Rendez-vous dans quelques années? Allez, ok. En fait, je tiens tout d'abord à remercier ma famille, c'est parce que c'est grâce à eux que je suis devenue maintenant. Et mes amis aussi, surtout ma sœur. Ils sont où les parents? Et elle est où la famille? Ma mère, elle est là. Madame, voulez-vous lever qu'on vous voit? Elle est à la télé vous regarde. Et ma tante, mes sœurs, et voilà. Bravo. Alors, Mouzna, l'association t'offre une tablette aussi, cette... Alors, le cinquième prix, il s'agit de mademoiselle Assoumani Amiri. Ah, qui, depuis tout à l'heure, n'arrête pas de me dire, il faut que j'aille au match de handball. Oui, mais elle pourrait. Alors, quelle est ta voie, toi? Qu'est-ce que tu as choisi? Je fais un BTS informatique. Ah oui, c'est bien. Ça va? Ça se passe bien? Bon. Eh bien, en tout cas, à toi aussi, en plus du handball, je suis sûre que tu dois avoir un grand avenir pour tes études, d'ailleurs. Voilà la médaille d'honneur de la mairie de secteur pour t'accompagner dans tes études et surtout, continue comme ça. Et bravo à toi et bravo à ta famille. Il faut toujours associer les parents parce qu'ils y sont pour quelque chose. Voilà. Merci. Et l'association a le plaisir de t'offrir une Nokia 112GR, carte double SIM, voilà, GPRS, Edge. Tu prends beaucoup le téléphone. Elle n'ose pas, mais elle dit merci papa, merci maman. Voilà. papa. Voilà. Bravo. Félicitations. Alors le sixième prix, il s'agit de mademoiselle Atmas Nassim. Alors, qu'est-ce que tu as choisi de faire, toi? Un BTS MUC. Il y a des enfants. MUC, c'est. Vous voyez, hein? Ah!
Comme quoi, même moi, vous voyez, j'ai appris. Bon, je vais revenir. Hein, moi aussi. Vous aussi, ah, ça me rassure. Hein. C'est formidable. Et donc, je vais avoir le grand plaisir de te remettre cette médaille, ce qui est la médaille, notre médaille d'honneur, pour le travail accompli, et puis donc le diplôme. Donc, je suis sûre que tu vas encadrer, mettre dans ta chambre. Tes parents sont là ? Oui, il y a la maman. Il y a la maman. Et Léo, la maman. Waouh. D'ailleurs, elle ressemble beaucoup à sa maman. Hein. Elle ressemble beaucoup, elle est aussi belle que sa maman. Tu l'as dit, maman ? Oui. Tu vas pleurer cette famille en émotion, tu vas nous partager. Non ? Tu ne veux pas ? Bon, en tout cas, elle est très émue. Elle est très émue. Et merci à vous. Le succès, on le doit, je dis toujours, on le doit à tout le monde et à la famille. Elle va pleurer, la mère. Bravo, félicitations. En tout cas, sache Nassina, que nous t'aimons. Et ta maman aussi. Et qu'on te félicite. Alors, on va t'offrir une Nokia, toi aussi. Voilà. Alors, elle a eu son bac l'année dernière et maintenant elle fait ses études en Belgique. Voilà. Je dirais pas qu'elle a la fuite. Hein. Non, c'est pas les capitaux. Pas les capitaux. Pas les capitaux. Non, mais ça veut dire aussi avoir la pêche. Avoir la pêche. Ah. Oui. Non, non. Elle est en Belgique. Alors, comment ça se passe, les études en Belgique ? Ah, voilà, ça se passe. Raconte-nous un peu. Les niveaux, il est dur là-bas, mais ça va. Et c'est des études de quoi ? D'infirmière. D'accord. D'accord, et tu as fini cette année, ça ? Ah non, c'est pas ça, en juin. En juin. Donc, en juin, on va te récompenser ici. Très bien. Bah, écoutez, comme je le disais au début, c'est un moment de joie, d'émotion et de fierté. Et moi, tes larmes me touchent beaucoup parce que c'est montrer tous les efforts que vous mettez dans la volonté de réussir pour vous, pour vos parents, parce que je sais qu'on le fait souvent aussi pour son père et sa mère, pour ceux qui nous entourent. Alors, c'est vous encourager à poursuivre. Et sachez que nous, on sera toujours à vos côtés. On sera toujours à vos côtés pour vous aider. L'association, comptez sur moi aussi. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous tous de vous être déplacés dans ce temps plus vieux. Et je pense que c'est important que ces jeunes gens comprennent que nous sommes derrière eux et que nous allons continuer à être derrière eux, à les pousser pour qu'ils réussissent. Les pleurs de cette jeune fille me touchent beaucoup parce qu'ils montrent que cette cérémonie n'est pas innocente et qu'elle est importante que, de temps en temps, on reconnaisse ceux qui réussissent, les parents qui sont derrière leurs enfants, qui poussent leurs enfants à étudier, qui poussent leurs enfants à réussir. Nous serons toujours avec eux. Je vais vous faire confiance. Voilà. Merci beaucoup. Bien. Alors, voilà, on a ça à vous offrir, vous pouvez vous rafraîchir. Voilà, et embrasser vos enfants. Le petit fils qui va. Merci. Voilà, félicitations, mademoiselle. Le petit fils qui va. Hein. Merci. Merci à vous. Et vous, en Belgique, vous passerez à nous. C'est la même. Oui, monsieur, Je suis capable de faire.
elle est là. Celle qui veut me l'entendre. Ah, elle est là. Oui, vous avez été bien sûr. Oui, une dernière manifestation. Demain je vais le dire. Je vais le dire à l'élève. Je vais pouvoir le libérer. Je réponds à votre question ou j'y vais? C'est vrai qu'il donnera le top. Hein. Allez, c'est bon, madame le maire. Allez-y. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à être présente, à partager ce moment. C'est à la fois le mérite de ces jeunes gens qui ont travaillé et qui ont présenté aujourd'hui devant leurs parents, qu'on a récompensé devant leurs parents, et ça c'est une fierté pour tout le monde. Et puis c'est aussi féliciter et remercier le travail de l'association qui accompagne ces jeunes depuis très longtemps, depuis la 6e. Et aujourd'hui on en voit le résultat, donc moi je suis un maire très heureux d'avoir des concitoyens qui font énormément d'efforts. Et le résultat est là aujourd'hui, c'est que du bonheur, voilà, c'est beaucoup beaucoup de plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci. Raunda ya mumeru wa hee sete yu hatu madame di sete na kuchi ya jaka wanika se diplomi na se doko zendo kwa jika jivu wa ngarjivu wa tenda mana wanu 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 tuka ya asosiasyo ya fumu ni bari shani asosiasyo ya hengazija yoti pia wanu wanu wakamanu wanu wanu wa hengazija ya asosiasyo genduga wa wana wa hengazija yoti pia lichibi wa wana wanu uwa kaya wa hulize baku wa nina nwa baba hao nwa zata hao raju saidera jaka wanika se diplomi Garuomba mwani rekena wana wenji tena wahenga zija wajohu ujawanu njeri wanike diplomuza sase na umambia nukaya koha nza mnezi mu ya asosiasyo inu ya tendewa nimesie zile mseswali ya tuenda usoni maranga zina proje zinjiza sase na umba mnezi mu katoka usika usoni ya mjozo ni mafuna hao tihane ya salamu. Ce que je souhaite dire pour finir un petit peu cette cérémonie, je suis à côté de cette jeune fille qui a été récompensée. On l'a vue très émue, elle a dégagé beaucoup d'émotions et c'est un peu symbolique de ce que nous souhaitons faire. Que les jeunes gens comprennent que les efforts sont à faire, que la récompense est au bout du chemin et que les adultes, l'association, les parents sont derrière eux pour réussir. Parce que, comme je disais au tout début, les choses sont difficiles aussi en France. La vie est difficile, la vie des parents est difficile, on entend trop de mauvaises nouvelles. Et lorsqu'on voit des jeunes qui réussissent, ce sont là des bonnes nouvelles que je souhaite multiplier par 10.